Eh bien bonjour, aujourd'hui on vous présente deux amplis en comparaison et ce sont deux amplis qui se ressemblent beaucoup puisqu'ils étaient un peu positionnés dans la même gamme tarifaire bien que ce soit plus le cas aujourd'hui et c'est pour ça que c'est très intéressant de les comparer. On a un Blues Junior Brown & Wheat qui est un Blues Junior 3, bon, celui-là c'est une série limitée Brown & Wheat mais l'électronique est complètement comparable et similaire à un Blues Junior ordinaire et on a un Black Heart Handsome Devil, beau diable pour nos amis québécois. Ce sont deux amplis 15 watts presque tout lampe, je vais vous expliquer pourquoi presque tout lampe, qu'on a HP tous les deux en 12. Pour les petites similitudes, le Blues Junior a 3 12 AX7 en préampe, le Black Heart n'en a que 2, et on a 2 EL84 en puissance dans chaque. Le Black Heart a un switch 15 7 watts, pentode, triode, le Blues Junior n'en a pas, mais le Blues Junior a un master, là où on a un réglage de drive et de volume sur le Black Heart. Et on a une présence qu'on a sur le Black Heart qu'on n'a pas sur le Blues Junior, mais on a le mode fat sur le Blues Junior. Bon, vous aurez compris, ça se ressemble beaucoup. Ce sont deux 15 watts presque tout lampe. Pourquoi je dis presque? Parce que autant l'un que l'autre, il n'y a pas de lampe rectifieuse sur le circuit. C'est un rectifieur solid state, c'est un transistor. Petit truc assez rigolo sur le Black Heart, c'est qu'il est sorti d'usine avec le tap mode. Alors, il faut lire tap en anglais comme tarot. En fait, il y a un trou dans le châssis. Et sur le circuit, le PCB, on l'a démonté. Il est très joli, ça respire la qualité. Et vous pouvez aller mettre une rectifieuse à la place du transistor, moyennant quelques réglages. Et certains l'ont fait, même en lui mettant un switch au cul pour passer d'une rectifieuse transistor à une rectifieuse lampe. Et je pense que c'est ce qu'on fera très, très bientôt pour voir comment ça sonne. Blues Junior. Thank you.
Eh ben, t'as vu maintenant ce que ça donne. Cette petite vidéo, on a eu l'idée de la faire parce que le Black Art se vendait presque à l'époque deux fois moins cher en occasion que le Blues Junior. Malheureusement, depuis quelques semaines, c'est plus le cas. Le Black Art est un peu remonté. Black Art, c'est une tentative de chez Krait, qui sort plutôt des amplis un peu typés, plus vénères d'habitude, de s'immiscer sur le marché blues. Ça n'a pas marché d'enfer, il n'y en a plus beaucoup. Mais si tu en trouves un pas très cher, on te conseille d'acheter ça à moins de 200 euros, ça sonne très bien. C'est pas le cas du Blues Junior, celui-là c'est un Brown & Wheat, en plus c'est une édition limitée qui, si je dis pas de bêtises, n'est même pas sortie en France. Angleterre uniquement, donc voilà. Eh bien, j'espère que le nouveau format t'a plu et que tu as aimé ce que tu entends. À bientôt.